Suivant. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pita. C'est qui, Pita? C'est vous? Non, moi, je suis Spider-Man. Bon, d'accord, monsieur Spider-Man. Veuillez vous asseoir ici. D'accord. Donc, pouvez-vous me décrire vos problèmes de ces derniers jours? Avec l'attaque des démons, j'ai perdu beaucoup des personnes que j'aimais. Dont le docteur Octavius et Martin Lee. Ah. Et je suis triste parce que ce jour. Mais si vous avez perdu le docteur Octavius, oui. Comment avez-vous perdu? Votre nom est Spider-Man et docteur Octavius travaillait avec le jeune Peter Parker. Ce qui renforce, qu'est-ce que j'ai dit au début de notre rencontre, monsieur Peter. Oh mon dieu! Ok. Je suis juste. Comment elle est rentrée, elle? Sale pute! Bon. Mais je suis triste parce que ce jeu m'a rapporté tellement d'argent. Je suis pas sûr de comprendre, mais. Avez-vous des problèmes de relations? Mais. Monsieur Parker, je vais vous. Bon, suivant. Monsieur. Voilà. Quel est votre nom? Soldat 76. Attends. Soldat 76. Vous n'êtes pas supposé être mort? Monsieur, les armes ne sont pas apprises ici. Veuillez sortir cette arme maintenant ou je rejette par force. Vive la thune! Yeah! Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Pas vous êtes parfait! On est pas dans le balai du sang! Allez voir ma petite fille! C'est à moi maintenant! Non, pas! Bon. Ah! Moi, il est très doux. Il est vraiment très doux. Tout le monde n'a pas parlé paradis, ce roi. Toutes les belles actions que je fais, j'ai protégé de Télégrade, il y a un mec qui a dit qu'il avait tué. Oh, c'est triste. En plus, il faut pas changer au con, il m'a volé mon blage de agent presque mort. C'était pas ton chum. C'était pas avec. Merci de vous la fermer. Monsieur, votre arme, s'il vous plaît. Non. Monsieur. Calmez-vous. J'ai de la thune. J'ai de la thune. D'accord. Bon, laissez-moi continuer mon problème. Ok. Bon. Y a des mecs qui sont multicolores. Non, t'es con. Monsieur, je vais vous demander de parler. Ok. Sinon, je vais tuer votre stagiaire. Vous êtes dedans ma ligne de mire. Monsieur, veuillez remettre ça, vous êtes vraiment laid. Bon, je vais vous expliquer. J'ai pris une grenade puis j'ai failli mourir. Mourir, après ça, il y a pas de. Non, c'est moi qui le fais. J'ai trouvé une gâteuse. Monsieur, j'ai une thérapie. Ne m'oubliez, j'ai pas tiré. Oh, ok, je crois qu'il est mort. Oh, ma thune. Bon. Tu restes. Ok, donc c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai failli me faire tuer plus qu'une fois. Attends, on s'en bat les couilles. Et tout ça, et puis personne me prend maintenant. Il veut juste avoir des skins, il veut tout jouer. L'autre là, Baptiste, c'est une merde, c'est un nouveau. Puis il arrive, puis là, oh mon dieu, il est dans le game, tout le monde le prend. Moi, je ne plus jamais à rien, monsieur. Ok, monsieur, votre gueule. D'accord. Ok, je vais vous dire, vous êtes extrêmement cave, vous êtes mort, vous ne pouvez pas mourir. Et dans votre stupide jeu, quand vous mourrez, vous revenez à la vie dans 5 secondes. C'est quoi votre problème? Elle marche pas! Oh merde! On n'a pas besoin de ça! Prochain! Bonjour! Bonjour! Quel est votre nom, monsieur? Electro! Attends, peux-tu dire un commentaire? Electro! Peux-tu vous donner un commentaire? Oui! Tu sens comme un pédophile. Oh non.
Vous avez vraiment le jugement facile. Oui, mais aussi c'est que tu sonnes comme si tu venais de violer 5 enfants, mais qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Ah oui, vous faisiez de l'électricité, ouais. Wesh. Non, mais c'est satané Spider-Man. C'est de moi que tu parles. C'est de moi. Parle. Je n'ai pas peur. Donc... Bon, monsieur Electro, c'est triste votre vie. Vous avez ce Spider-Man de ouf. Toujours sur mon dieu. Pourquoi il y a un jeu? Qui? Monsieur Spider! Oui. Partez. D'accord. Pourquoi personne ne m'aime? Je pense que ce n'est pas. Attaque sac à dos. Parce que ce sale Spider-Man, il vient, puis il me bute, puis après il m'envoie en prison. Ah. Comme d'hab! Voulez-vous une arme? Non, mais vous avez pas compris, il m'a envoyé en prison. J'avais rien demandé. Mais moi, on m'avait promis qu'on pourrait m'entendre mon but. Et après ça, il m'envoie en prison. Ouais, mais c'est pas mal son. C'est son but, c'est de vous empêcher de faire. Mais je faisais rien de mal, moi. N'est pas de blague, je faisais vraiment rien. J'étais là, tranquille, avec la station, en train de parler avec. C'est un nom de merde, mais vu que. Oiseau! D'accord. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Monsieur. Je vous dirais, essayez d'arrêter d'utiliser votre pouvoir d'électricité, ça vous rend dépressif de merde. Vous voulez vraiment que j'aille travailler dans l'électricité des câbles? Non, on va travailler sur le supermarché de demain. Vous êtes totalement tardé, lui! Monsieur. À l'année prochaine! Prochain! Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est quel est votre nom? Rico Rodriguez. Ah, ok. Pouvez-vous me décrire qu'est-ce qui vous apporte ici en cette matinée? En fait, avec le premier opus de Just Cause 1, ben, ça a été une grande réussite pour moi. Et après, il y a eu Just Cause 2 que j'ai apprécié. Après, il y a eu Just Cause 3. Que j'aime très bien, puis maintenant il y a Just Cause 4. Quand est-ce que j'ai une minute de tranquille, moi? Waouh, c'est presque triste. Donc, monsieur Rodriguez, oui, pouvez-vous me parler plus en détail? Qu'est-ce que vous. Monsieur, vous voulez pas que je vous tape avec? Non, en fait, oui, moi je peux vous défoncer facilement, mais non. Faudrait peut-être accélérer là. Oh mais ta gueule la voix off. On accélère. Oui, tu vois. Meurs. Bon allez. Donc j'ai entendu parler de votre stagiaire. Pourquoi vous m'entendez comme ça? Bon voilà. J'ai entendu parler de votre stagiaire. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'allais prendre le contrôle de la tour de contrôle de Falco Maxime. Et en fait, Dima, ma stagiaire scientifique de ta mère, est morte dans l'explosion pour... Parce que t'aimes les explosions? Oui, et parce qu'on en avait besoin. Donc voilà, elle est morte, et j'ai aucun temps de libre pour aller à sa tombe et déposer des fleurs. Lol, Yordum. Donc, nous avons aussi entendu parler que vous êtes... Oh, mais ta gueule, Spider-Man! Tu veux que je t'encule? Non. Monsieur, okay. Donnez une gifle. Non. Comme votre mère, quand vous avez 2 ans. Non. Parce qu'après elle est morte. Son père l'a assassiné. Ils sont morts par le dictateur du coin. On va te faire foutre. On s'en bat les couilles. Ah, ok. Donc, monsieur... Oui. J'aimerais que vous arrêtiez de mettre le chargeur de votre gun dans l'autre champ. Putain! Putain! Stop, c'est fini. Bonjour, je suis psychologue boulanger suivant. Bonjour, comment vous appelez-vous? Ha! C'est votre nom? Ha! Ling. Ah, d'accord. Bon, qu'est-ce qui vous amène ici? Laisse-moi te raconter une fable.
Non, ta gueule. Une fois, j'étais en train de faire un dodo. J'avais le plus beau rêve au monde. J'ai oublié c'est quoi. Mais après, Zelda, cette petite enfoirée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me réveille. Parce que pour aucune raison apparente, le monde est en train de finir à cause de qui? Ganon. Mais moi, je m'en bats les couilles. Je crois que c'est Ganon. Va faire foutre. Donc là, puis moi, je suis pogné avec cette épée de merde que j'ai trouvée dans le sous-sol d'un bocoblin. Je sais pas comment les bocoblins ont ça, mais ils ont juste des bâtons. Ils ont dû améliorer leur technique pour trouver des armes. Sûrement. Mais en fait, je crois que j'ai aussi buté une couple de choses. Sauf que après, je suis en route pour aller chercher la princesse. Mais mec, qu'est-ce que je me fais? Je me fais buter par un putain de laser. Mais qu'est-ce qui vient de laser? C'est un gardien. Qu'est-ce qu'il fait? Il one-shot comme ça. Ah! D'accord. Après, j'explose. Donc là, je m'en vais dans un temple. Ah, tout beau, tout beau. Après, j'apprends à faire un chose. Puis là, j'en fais plein. Puis après, je rencontre... Après, j'ai une mémoire où j'ai oublié si je la rencontre. Cet oiseau. Puis là, l'oiseau, il est pas gentil. Puis après, je gagne les pouvoirs magiques. Donc ça, c'est nice. Sauf que là, je peux sauter vraiment haut. Tu voulais une démonstration? Non, ça va être correct. D'accord. Sinon, vous allez défoncer mon... Mais exactement, c'est le but. Donc... Aussi, j'ai oublié d'aller chercher mon planeur, donc je sais pas où aller. En plus, je crois que cette maison vole. Ah, donc comment je fais pour descendre, par exemple? Tu sautes en bas. Ok, donc on s'en bat les couilles. Donc en fait, après la Zelda, je m'en vais dans le château. Et devine qu'est-ce que je vois? Je vois des monstres. Puis là, je les bute avec cette épée de merde. Sauf que cette épée de merde-là, elle va péter. T'es prêt? Check ça. Ah! 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 C'était peut-être un bâton. Ah, effectivement. Oh, je savais! Les bocoblins ont juste des bâtons! C'est pour ça qu'ils n'étaient pas très effectifs contre Ganon. Donc là, ce tuyau de plan là, je me... J'ai une solution. Attendez, j'ai pas fini. Après là, je bute une coupe de monstres. C'est bien là, j'ai la vie, elle est cool. Ok, je rentre, je vois Ganon. Qu'est-ce qu'il se fait? Il se transforme en monstre bizarre. D'accord, je le bute facilement. Après, là, t'as Zelda qui apparaît genre dans un cercle. Et comme, tiens Link, prends ça. Elle me fait peur en fait, la fille. Donc là, elle me donne des flèches de lumière. Mais c'est pas nécessairement possible parce que si c'est fait en lumière, ben, je peux pas les prendre. Donc là, j'utilise ces flèches nul à chier contre Ganon. Mais qu'est-ce qu'il fait Ganon? Il s'en bat les couilles, donc tu vas utiliser des flèches arcaniques qui sont beaucoup plus fortes. Et après, qu'est-ce que je fais? Je prends plus cette putain d'épée, puis j'utilise mes poings parce que je suis un homme. D'accord. Ah non, je suis pas capable. Laisse faire, je prends mon épée. Donc, puis après là, je réussis à sauver... Oh mais ta gueule MJ! D'accord. Après, je sauve la princesse et le monde. Et devine ce qu'elle me fait? On monte sur une montagne, tout beau. Je vois son cul pendant qu'il est en train de cueillir une fleur. Waouh, ça c'était le meilleur moment de ma journée. Oui, parce que toute mon aventure se passe en une journée, hein, si c'est pas long. C'est comme dans Ocarina of Time, ça m'a pris genre 5 ans. J'ai dormi pendant longtemps. Je crois que ça se passe, j'ai aucune idée. Puis là, je suis rendue adulte pour aucune raison. Puis là, je m'en vais, je suis avec elle, j'ai des vêtements bleus. Quand j'avais vraiment une armure full belle avec une tête d'éléphant. Un robot. D'accord. Non, attends. Puis là, devine qui ça fait la pute. Et comme Link, je t'aime. Puis après, elle me friendzone. Mais moi, ça me fait chier.